Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 29e épisode, je crois, en Let's Play Live sur Twitch pour Alandra 2. Dans l'épisode précédent, on était toujours dans le corps de la baleine, on essayait de retrouver les artefacts qu'on a perdus. On galère un petit peu dans ses entrailles, ça fait un peu labyrinthique, mais on essaye de s'en sortir, donc on va essayer d'avancer tranquillement. Non! Ça commence bien. Faut qu'on retrouve comment aller. Là-haut. Ça. Le téléporteur était pas loin. Mais on galère. Et c'est 56. Je sais pas s'il faut que je. Si en sautant par-dessus ça passe ou pas. De toute façon, il va bien falloir que je le fasse. Ça, là, je suis vraiment tombé du bon côté. Ouais, heureusement que ça fait pas mal, sinon il faudra retourner au point de départ à chaque fois. Là ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Hop. Toi le serpent. Je déteste les baleines, je déteste les serpents, allez savoir pourquoi. Je déteste les chauves-souris. Ça c'est les noix qu'on a déjà vues 200 fois. Faut que je retrouve. Le téléporteur. Ça nous ramène au point de départ, ce qui n'est pas mon objectif. Ça c'est vraiment, tu vois, les passages frustrants d'Alandra 2, quoi. Salut Olivier, comment tu vas? Je crois que si j'arrive au serpent, je vais utiliser la magie, comme ça je serai tranquille. Ah là là! Bon, ça va. Après, ils sont gentils, ils m'ont mis à côté du téléporteur. Et c'est 56. On va peut-être dû attendre. Non, ça va, ça devrait le faire. Ouais, c'était cool les vacances. Malheureusement un peu trop court et puis j'ai pas eu énormément de beau temps, mais ça fait du bien. Alors je fais tout pour le tuer, mais ce satané serpent ne veut pas. Allez hop, on parle plus de toi le serpent. Il y a un pic. Un pic, je fais tout pour essayer de sauter à côté pour ne pas le prendre. Et forcément, je le prends. Et il faut retrouver ce téléporteur. Déjà, ce qu'on peut faire, on peut tricher un petit peu.
Au moins, on s'est débarrassé du serpent. Ce qui était un bon début. Bon, les chauves-souris, on vous laisse tranquille dans votre coin. Alors, en suivant ce clash, je pense qu'à un moment donné, on devrait arriver au téléporteur. Monsieur le Pic, je viens de me soigner. Hop, celui-là, c'est pas le bon. Ah, c'est clairement une des zones les plus difficiles que j'ai eu du jeu pour le moment. Bon, j'en ai eu des durs aussi, hein, mais... C'était prévisible. Hop. Donc, si celui-là est là, l'autre il est là. Heureusement que j'ai pas commencé trop tard le stream aujourd'hui. Petite esquive. J'ai pas besoin de refaire coucou au serpent. Si je l'avais su, j'en serais débarrassé tout de suite de ce truc-là. On va y arriver, les amis. À chaque fois, on arrive à faire un petit truc de plus. On va essayer d'être intelligent. Par contre, on va refaire un petit tour de manège. Et qu'il va falloir taper le truc. Hop. Bon, on va attendre qu'il passe par là maintenant. On va y arriver. J'ai sauté trop loin. Ryu, franchement. Tu fais le plus dur et tu sautes comme un idiot dans le trou. Là-bas. C'est que je me précipite trop, je me dis tiens, on va le faire et puis ça va passer. Mais... Par contre, voilà, là je peux le faire comme ça. Je pense que juste un saut normal ça passe, mais je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre un peu d'élan. Peut-être pour éviter de tomber et puis. Ok. Alors là, je pense que le troisième téléporteur va être activé. Mais... Alors. Allons voir ce qu'il y a en bas.
Eh ben dis donc, on arrive sur un truc que j'aime pas vraiment. Parce qu'en général, quand on voit point de sauvegarde et truc pour se soigner, ça veut dire qu'il y a un boss. Et les boss sont pas toujours évidents dans ce jeu-là, donc. Petite sauvegarde, village d'Éden. Je pense que j'aurais dû faire une sauvegarde pour les fléchettes, mais comme je suis nul au jeu des fléchettes dans le jeu, on peut les effacer. D'ailleurs, j'ai récupéré pas mal de fléchettes dans la baleine, donc on va regarder un petit peu combien j'en ai récupéré. Vingt-cinq. C'est déjà ça, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et bah, voyons voir ce qui nous attend ici. Beuh, c'est dégoûtant par ici. Je suis toute trempée et puante. Vivement un bon bain. Comment ai-je pu me retrouver ici? Je suis trop mignonne et délicate pour finir digérée par un poisson. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Les baleines ne sont pas des poissons, mais des mammifères comme nous. Voilà enfin Flint, ce n'est pas trop tôt. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Flint, on a inspecté ce côté-ci, mais c'est un vrai dédale et on n'a pas pu le traverser. On a perdu papa en route, tu l'as vu? Non. Flint, dépêche-toi de trouver papa et de le ramener, je n'ai pas l'intention de moisir ici. Ok, bon bah demi-tour. Par contre, avant, parce que là je vois qu'il y a un téléporteur. On a fait une sauvegarde. Donc, en cas de problème, au pire, on se téléportera. Enfin, on rechargera la sauvegarde. Ah, bah voilà, le père était pas loin. Une autre impasse. Comment je vais sortir d'ici? Je deviens fou. Hé hey Flint, t'as trouvé une des reliques? Oui monsieur. Tu as trouvé le cristal d'étoile? J'étais dans la zone des poumons, mais ces trucs ronds à pulsation bloquaient le passage. Bizarre cette porte, pas moyen de l'atteindre d'ici. J'ai perdu Ruby et Albert dans l'estomac. Ils ont dit qu'ils allaient chercher la zone de l'intestin. Je les ai trouvés moi. Je vais continuer à chercher par ici, bonne chance mon garçon. Bon bah retourne voir les deux. Ah, c'est beaucoup trop loin. Enfin en tout cas ça me donne l'impression que c'est beaucoup trop loin. Ah peut-être pas. Peut-être pas, mais ça va être un peu la galère. Aïe. Prévenir les autres qu'on a retrouvé leur père, déjà ce sera un bon début. Tu as trouvé papa? Oh, je vois, on dirait que papa est quelque part dans la zone du cœur. Si on se sépare à nouveau, on va encore se perdre. Donc on reste ici. Va explorer les intestins. Ok. Bon, ça ne peut pas trop en vivre.
Ça n'a pas trop envie de se balader là-dedans. Ça veut du suc gastrique. Zone des intestins. Pour se débarrasser des chauves-souris, j'ai pas envie de me faire trop de prendre trop de dégâts. Les élixirs, on est à fond. Alors. Des fois les angles de vue sont pas terribles non plus. D'accord. On va explorer la zone par le bas et puis après on va essayer de faire des sauts. Aïe. Ok, donc là. Y a rien de compliqué, ça c'est vraiment les bases du jeu. Des fois Flint il fait pas d'effort non plus. J'étais obligé de détruire le truc avant de tuer le petit monstre parce que sinon le petit monstre sera repopé à l'infini. Là, j'ai pas le choix que de descendre. Ça c'est pas compliqué. Ça c'est vraiment la partie c'est de la plateforme mais c'est plus sympa que la partie là qu'on avait juste avant. On va rester là dessus. J'aurais pu y aller. Et je pense que c'est chronométré. Non, ça va. Ça va, ça va. C'était pas chronométré. Le sol.
Y'en a des monstres par ici. La baleine, elle doit avoir des petits problèmes d'intestin quand même. Un petit peu de quoi me soigner. Autant les zones d'avant, j'avais l'impression de ne pas avancer dans la baleine, alors que là, ça va. Merci le monstre. Je me suis fait expulser de la zone, quoi. Bon, en tout cas, merci Tsuna d'être passé. Bonne soirée à toi aussi. C'était sympa. Et à bientôt sur Twitch ou sur YouTube. En tout cas, ça fait plaisir de discuter avec de nouvelles personnes dans le chat. Je sens qu'il y a une arnaque là-dedans et je pense que je peux traverser le couloir sans... Je pouvais traverser le couloir sans affronter. Ça sentait l'arnaque. Alors je vais attendre que YouTube, je vais vous faire une petite pause le temps de recharger ma magie et on se retrouve tout de suite. YouTube, comme ça on a récupéré quasiment toute notre magie, on va pouvoir avancer de nouveau. Alors, on va essayer d'être méthodique, comme je sais pas où il faut aller. La porte ne bougera pas. Alors je me dis que je peux peut-être sauter par-dessus, mais il y a le pic derrière, donc on va pas passer par là. Ça fait beaucoup de trucs, les pics, la grosse boule, ça fait beaucoup. Donc au final il fallait bien que j'aille de l'autre côté. J'ai pas le choix de toute façon. Thank you.
200 pièces d'or. Ce qui est très cool. Pièces d'or, c'est toujours ça de prix, bon c'est pas... En fait c'était un peu une arnaque quoi. Donne 100 pièces d'or, mais c'est pour faire venir des monstres. C'est ne prends pas tous les coffres, il y en a qui sont piégés. Je peux rien faire. Je peux pas bouger à la caméra. Je peux même pas bouger moi-même. C'est alors. J'ai pas l'impression de vous avoir déjà rencontré par ici. Et pourtant, ça fait 10 ans que je vis ici. Ça fait un peu Geppetto et puis Pinocchio. Ok, une clé. Tu veux pas repartir avec moi, Geppetto? Tout est de plus en plus mécanique dans le secteur. Je me demande ce qui se passe. J'ai bien une explication. Il y a un vaisseau volant qui a coulé, enfin qui s'est crashé. Il y avait une espèce d'hélice, enfin de clé mécanique qui est tombée sur le dos d'une baleine. Et ça a transformé... la baleine en monstre robot. Comment t'as fait pour revenir toi monsieur le petit monstre alors que il n'y a plus y a plus ton truc qui te fait apparaître? Ah si, c'est revenu. J'ai feinté. J'ai pas forcément envie de me soigner, mais je préfère quand même assurer le coup, parce que 150 ça peut aller vite comme, comme dégâts. Alors, explorons un peu. Donc là il va falloir une autre clé je suppose. La porte ne bougera pas. Pas vu qu'il y avait un bouton. Ok, ça ouvre la porte. Oh, ça va être un truc chiant ça. Il faut que j'attende. Ça va être un truc chiant de passerelle pour récupérer la caisse en bois du pirate. Ok, je peux remonter là. Ça, c'est vraiment les trucs, on voit rien, mais enfin, on voit pas grand chose du moins.
coup d'après, je pense que je peux y aller. Coup d'après, je pense que je pourrais y aller. Je vais attendre le bon timing. Ça c'était bien. Bonjour monsieur le pirate. C'est trop bizarre par ici, vivement qu'on soit sorti. Par contre là, faut pas que je tombe. Ok. Faisons un peu le malin. C'est pas grave. J'aimerais bien trouver un truc pour me soigner maintenant, ça serait pas mal. Bonjour monsieur le monstre vert. Ça c'est cool déjà, c'est une bonne chose. J'aurais bien aimé un petit point de sauvegarde, ça aurait été pas mal aussi. Ça fait plus de 5 ans que je vis dans cette baleine. J'ai vu une drôle de clé dans cette pièce là-bas. Mais je ne sais pas trop à quoi elles servent.
voir un peu à quoi ça sert ça. La porte ne bougera pas. Ok. Salle de contrôle. Donc, il y a un interrupteur, enfin, il y a des barrières de protection. Là, il y a des boulons. Alors, je sais pas si je vais réussir le truc du premier coup, mais ça, j'ai déjà vu en fait. Je sais plus ce qui se passe si on se trompe, mais voilà. Il y a des rochers qui tombent si on se trompe. Donc le début était bon. C'est pareil, y a rien pour l'expliquer ce truc là, c'est débrouillez-vous un petit peu par vous-même. Je dis peut-être une bêtise, je sais peut-être ce qui a pas marché. C'est peut-être le rouge. Qu'il faut mettre dans le vert. Donc là, ça a tiré un truc. Le vert dans le bleu. Et le bleu. La lampe de lumière, deuxième artefact de récupérer. Anomalie dans le tube digestif. Après, ils sont sympas, ils nous redonnent des. Ils nous ont donné pas mal de pièces, je suppose que c'est aussi pour acheter des objets de soins vu qu'il y a quand même le truc est assez long. On vient de loin, ça bougeait dans tous les sens et c'est fluide qui dégoulinait. J'ai pensé que tout était fini. J'ai réussi à m'appuyer ici, mais je suis mort de peur.
bien un coffre. Bon, l'élixir, je peux en utiliser un, ce sera dommage quand même. Faut peut-être que je tue les monstres. De toute façon, j'ai que cette solution là maintenant, donc mal. Je vais utiliser un élixir quand même. Il doit y avoir un truc avec les flèches là. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Au moins qu'il y a un monstre que j'ai pas tué, mais... J'avais l'impression qu'il n'y en avait que deux trucs qui sautaient. Bon bah sinon on va faire demi-tour, on va retourner jusqu'au frère et à la sœur. Oh, on l'a échappé belle, ça se secouait méchamment là-dedans. Qu'est-ce qui a pu se passer? Oh, je pense qu'il y a Flint qui a tout cassé, mais je ne le dirai pas. Ah, salut Gepetto. Après la secousse, un drôle de liquide est apparu et j'ai failli me noyer. Vaut mieux éviter le secteur. Mais encore. Y a rien. Qu'est-ce que je devais faire d'autre sur cette route là, sur la route ?
je vois pas ce que j'ai raté en fait. Parce qu'il y avait le pirate, mais le pirate, il faisait rien. Sinon c'est peut-être parce que j'ai pas tué le serpent, c'est peut-être parce que j'ai jeté de... j'ai jeté la jarre. Mais si c'est ça, c'est très bête quand même. On va essayer de tuer ça. Là, je ne sais pas les amis, je vais vous faire une petite ellipse, le temps de trouver la solution, on se retrouve tout de suite, à tout de suite. YouTube, désolé pour cette petite pause. En fait, tout simplement, il faut prendre la dryade pour plonger, pour aller sous l'eau. C'est très très bête, mais j'y pense pas à ce truc là. C'est vrai que je peux pas nager avec lui. Et puis il y a du courant. Une petite phase aquatique. Aïe. C'est des monstres. Et là je me demandais pourquoi il y avait un truc d'activé, mais c'est les salles qu'on a déjà explorées en fait.
c'est les salles dans lesquelles on est déjà venu. On a activé les interrupteurs, etc. Aïe. On va prendre notre temps un petit peu. Pas prendre trop de dégâts non plus, ce serait dommage. Ça ne servirait pas à grand chose d'ailleurs. Un coffre. Ouais, je pensais pas qu'elle pouvait m'attaquer de si loin les méduses. Donc là, on devrait pas tarder à retrouver le frère et la sœur. Prends ton temps, Ryu. Je suis assez loin. On est quasiment reparti. Là, si on remonte, on est arrivé, enfin on arrive au niveau du frère et de la sœur. Là où il y avait le point de sauvegarde et le truc pour se soigner. Je sais pas ce qui m'attend. Enfin, une petite sauvegarde parce que l'épisode aura été déjà très très long. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode, les amis. On va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur Alondra 2. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.